expérimenté pour y assister à Yadema. Devant lui, Chadien Sandrando, Sandos Compaoré, Compaoré, le Burkinabé qui manipule aussi bien le ballon que les constitutions. Le jeune Ali Bongo sera chargé d'animer le milieu de la France-Afrique à ce tour-là, le milieu de terrain de l'Afrique en remplacement de son père et recordman du nombre de sélections. Je veux nommer le légendaire Omar Bongo. Et oui, Aboulaye, on est en Afrique et ici la succession, c'est sacré. Là, nous voulons l'oreille Jean-Michel, occupez-vous de vos oignons. 30 ans de carrière et toujours au top, le Camerounais Paul Biya sera chargé d'animer le couloir gauche de l'équipe. Une équipe qui a récemment perdu énormément de cadres, comme le libyen Mamar Kadhafi ou Laurent Gbagbo, transféré de la RCI à la CFI Football Club. Mais grâce à CFI ou les pétrodollars club, l'Afrique a pu obtenir le prêt avec option d'achat du talentueux latéral droit chinois, l'excellent Oujin Tao. Merci Abdoulaye. Une équipe africaine qui bénéficie d'ailleurs de l'apport de joueurs binationaux comme le franco-ivoirien Alassane Licorne Ouattara. Passons maintenant à la composition du reste du monde. Dans les buts, Fidel Castro a cédé sa place à l'Iranien Mahmoud Ahmadinejad. Latéral droit, Hugo Chavez. Latéral gauche, le Britannique David Cameron. Dans l'axe, c'est un classique avec l'Allemande Angela Merkel qui sera accompagnée du Russe Vladimir Poutine alias Vodka Ergotsum. Je vois, donc je suis. À la récupération, l'Israélien Netanyahu sera associé au Palestinien Mahmoud Abbas pour la première fois, il est vrai, en 3500 ans. Nicolas Sarkozy jouera à droite, François Hollande à gauche. Enfin, en attaque, c'est la très très grosse surprise avec la non-titularisation du métis kényan Barack Hussein Obama. Ah, côté Obama kényan, plein de l'époque. Que dites-vous, Abdoulaye? Non, je disais que les récentes déclarations de l'Américain Obama lui ont sans doute coûté sa place. En effet, lorsqu'un de nos confrères lui a demandé « Do you think Africa will win the match tonight ?» il a tout calmement répondu « Oh yes, we can. » En effet, son entraîneur Papandreou, alias Napa Doro, n'a pas dû bien le comprendre. Il lui a donc préféré le fantastique attaquant français du FMI, Dominique Strauss-Kahn. Il est 20h45 et le coup d'envoi vient de durer dans un stade en absolue fusion, le stade. Et tout de suite, la coupe qui se met à l'attaque avec un dédoublement Ali Bongo, Oujin Tao qui accélère et multiplie d'habitude quand même. Il s'entre en retrait, Ouattara qui s'avance, il tire. Et le ballon qui passe complètement à côté des buts d'Ahmadinejad. Mais l'Afrique insiste. Paul Biya, qui vient d'être élu pour la 4e fois de suite, meilleur espoir du Cameroun, fait des merveilles sur son flanc gauche. Notons Jean-Michel que l'arbitre central Ban Ki-moon est irréprochable. Comme à son habitude, il ne cible que les fautes commises par les Africains. C'est d'ailleurs un coup franc très dangereux pour le reste du monde. Poutine, Chavez et Strauss-Kahn discutent autour du ballon. Poutine qui s'élance, Chavez qui s'efface, la frappe de Strauss-Kahn, c'est le but. 1-0 pour le reste du monde. DSK, le buteur qui s'avance vers les caméras, il exhibe un t-shirt marqué d'un I love Sénégal et Nafissa Diallo even more. C'est sur ce message touchant que vient de siffler à la mi-temps avec ce score de 1-0 pour le reste du monde. L'entraîneur-joueur de l'Afrique, Abdoulaye Wade, 87 ans, est toujours vert. Viens envoyer tous ces joueurs pour aller à l'échauffement. Il devra faire vite car on voit déjà Ban Ki-moon qui cite le début de la seconde période avec quelques changements du côté africain à Boulaye. En effet, Jean-Michel, le plan Omega est lancé. Kabila déjà, buteur au match aller remplace Alassane Rahman Ouattara. Et enfin, le Sénégalais Macky Sall vient d'émerger du banc de touche avec son plan pour soutenir cette équipe africaine complètement à la dérive. Et il a le numéro 7, Jean-Michel. Et puis bien sûr que c'est le numéro 7, on dirait qu'il envoie le numéro 5, Abdoulaye. Non, j'insiste. Regardez la fin de constitution du match, c'est bien marqué le numéro 5, Jean-Michel. Mais enfin, l'intéressé tranchera ce débat un peu plus tard. C'est d'ailleurs le Sénégalais Macky Sall qui obtient un corner très dangereux pour l'Afrique. Mugabe est monté aux avant-postes, centre de Bongo, Poutine qui se reste, la tête de Kabila et c'est le but. L'Afrique qui égalise. Non, Jean-Michel. Le but est refusé. Regardez l'arbitre de touche. Lilian Thuram vient de lever son drapeau. Le but est illégal. Kabila était en position de hors-jeu, Jean-Michel. Ah, quel dommage pour cette équipe africaine qui avait pourtant fait le plus dur. Mais le match reprend. L'Afrique qui fait tourner. Ballon pour Paul Biya. Paul Biya qui donne le ballon à Oujin Tao. Oujin Tao qui donne le baril à De Santos. De Santos qui s'appuie sur Macky Sall. L'Afrique qui fait tourner tranquillement. Mais que se passe-t-il sous la gauche? On dirait que l'Israélien Netanyahu et le Palestinien Mahmoud Abbas sont en train de se battre. Coup de tête d'Abbas, la sélection à Alice, Papandreou, leur entraîneur, court pour laisser
Sénec. Vladimir Poutine est mort de rire, il s'en fout complètement du match de gala et est en train de discuter avec Gérard Depardieu. Donc au moment, s'il y a un autographe au Guinéen, Alpha Condé, c'est de la totale folie. L'arbitre central, Ban Ki-moon, court vers eux et cible la fin de cette rencontre complètement folle. Victoire de l'Afrique sur tapis vert face à un adversaire dont le vestiaire a complètement fini par exploser. Écoutons l'entraîneur de l'Afrique, 87 ans, Abdoul Awad, au milieu de notre reporter. Eh bien, maintenant, on a vu que j'ai fui dans mon sac. Je lui ai dit, Hamas, Netanyahu a dit que vous ne valez rien dans le dala. Dès que j'ai dit ça, j'ai vu ses yeux devenir rouges comme du bissap. Eh bien, c'était ça le plan Omega. On l'a monté avec notre cousin Obama. C'est sur ces révélations fracassantes du président Obama que prend fin ce match complètement fou. Merci de votre victoire de l'Afrique. Attention Jean-Michel, je viens d'apprendre à l'instant que les primes de match de l'Afrique ont disparu. Les primes de match de l'Afrique ont disparu. Certains cadres de l'équipe sont également introuvables. Ah non, Abdoulaye, je ne vous laisserai pas vous aventurer sur ce terrain totalement glissant. Merci pour ce boubou que vous m'avez offert et bravo à cette formidable équipe d'Afrique. Ça.